Alors Sato va monter 11e. Donc c'est beaucoup plus dans la norme des choses que de voir une Jordan à peu près au milieu du peloton. Et là on est avec Button. Oh, moteur qui est sauté. Aïe, 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 moteur sauté. Ouf. Eh ben. C'est Fisichella là ou est-ce que c'est Sato lorsqu'il voulait revenir? C'est Sato et là, qui a mis de l'huile sur le voilà, c'est ça. Quand il y a beaucoup de fumée, non, parce que ça veut dire que l'huile brûle sur les pots d'échappement, normalement. Mais on, qui a sauté en qualif? C'est Trulli qui avait sauté en qualif et Frenzen Barrichello était passé dans le gravier. Rappelez-vous, c'était en Autriche, si ouais. Je ne m'abuse. Alors, faut faire attention. Ah, regardez-moi cette fumée, on n'y voit plus rien. Ah, ben, il y a longtemps qu'on n'avait pas eu une explosion aussi spectaculaire en F1. Alors, c'est à la sortie du virage 4. Regardez ce que ça donne à bord de la concurrence. Oui. Bon, le Button, de toute façon, avait déjà complété son tour rapide. Alors, après, virage 3. Ça saute avant le virage 3. Il passe au point de corde, ce qui est très mauvais si jamais il met de l'huile sur la piste. Au point de corde encore au virage 4. Et finalement, se range. Bon, mais les flammes, ça, c'est peut-être rassurant dans la mesure où il y a moins de liquide qui sera perdu sur la piste.